Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Je suis merveilleusement heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Accueillir le meilleur de la vie, accueillir chaque situation de vie comme un moment merveilleux à vivre. Choisir ses pensées pour choisir une vie meilleure. Voilà ce que ce jeu du cœur qui se trouve juste ici en dessous nous propose de vivre. Un exemple excessivement simple. Je me trouvais il y a déjà quelque temps sur le viaduc et je roulais paisiblement, tranquillement. J'étais à peu près entre 110 et 120 et tout à coup, pouf! Ma pédale d'accélérateur s'enfonce d'un seul coup. Première observation, je suis en sécurité, la voiture ralentit et il y a très peu de voitures autour de moi. Deuxième observation, je vais suffisamment vite pour arriver au bout du viaduc et pouvoir me garer dans la zone d'arrêt d'urgence. Quelques instants plus tard, je me trouve effectivement en sécurité, paisiblement, sur cette zone d'arrêt d'urgence. Un regard à l'extérieur, chouette, il y a du soleil. Je vais donc pouvoir attendre le réparateur ou le remorqueur tranquillement sur le bord de l'autoroute et je serai bien au chaud, bien tranquille. Pause, je respire. Déjà de belles façons. Au lieu de penser l'angoisse, le stress, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être en retard? Est-ce que. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, je reste paisible, bien vrai. Deux choix s'offrent à moi. Téléphoner à un ami pour avoir déjà quelques idées de ce que cette panne peut apporter, ou téléphoner directement au remorqueur. D'abord, téléphoner à mon ami. Il va certainement pouvoir me rassurer, ce n'est pas grand-chose. Ça va m'aider à rester dans cet accueil merveilleux de la vie. Je prends mon téléphone et là, une pensée m'assaille. Ah ouais, mais mon travail aujourd'hui, il ne va pas me répondre. J'efface ça à toute vitesse, allez, mais si, il va me répondre, bien sûr qu'il va me répondre. L'univers a prévu quelque chose pour moi, il va me répondre. Je fais le numéro, look, allô? Oui, salut, comment tu vas? Bah écoute, je suis ici au soleil, tranquille, hein, au bord de l'autoroute, je roulais à 110, et puis tout d'un coup, pouf, ma pédale d'accélérateur s'enfonce à fond, et je me mets à ralentir. Oh, c'est rien, qui dit t'inquiète, c'est sûrement ton câble d'accélération, ça coûte une vingtaine d'euros, plus le travail, etc. Tu vas voir, il suffit de téléphoner à un remorqueur, il t'emmène au garage, ils vont te changer ça. C'est vraiment pas grand-chose à faire. Ok, un tout grand merci. Allez, je vais faire ça et hein, le remorqueur, il va arriver très vite. Oui, bien sûr, tout à fait. Quand je vois l'heure qu'il est, en général, hein, statistiquement parlant, c'est pas vraiment une heure où il y a beaucoup de problèmes, donc tu vas voir, il sera là très rapidement. Je raccroche. Petit aparté, mon ami est expert automobile, il a vendu des voitures, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Je peux avoir confiance à 200 000%. Tac, tac, tac. Je fais le numéro pour pour appeler le dépanneur. On me répond tout de suite. Oui, bonjour. Ah oui, ok, ben ça va. Merci, monsieur. Le camionneur arrive d'ici 10 minutes, nous n'avons pratiquement pas d'appel pour le moment, donc il sera là près de vous, hein, je téléphone tout de suite, dans une dizaine de minutes il est là. Et puis tout s'est enchaîné comme ça. Jusqu'au fait que au moment où je raccroche le remorqueur, la personne chez qui j'allais en rendez-vous m'appelle, elle me dit, Monsieur Delors, je suis désolé, je dois partir, je ne suis pas être là à mon rendez-vous. Voilà. Voilà un épisode de vie réel,
que j'ai vécu et le jeu qui se trouve juste ici en dessous nous permet d'apprendre à arrêter le hamster qui tourne sans arrêt et qui est surtout dirigé par le cerveau limbique. Attention, attention, danger, attention, 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 danger. Eh bien, ce jeu, ce grand oui à la vie, merci, eh bien, c'est ça que vous allez apprendre. C'est ça que vous allez peut-être pas apprendre, parce que vous le savez déjà. Et c'est une certitude. C'est déjà à l'intérieur de vous. Toute cette faculté, toute cette possibilité de trouver en soi, dans chaque situation de vie, ce qu'il y a de meilleur pour nous. J'aurais très bien pu, tout en roulant, hein, là, ah, attention, danger, je suis là, je suis seul sur la route, est-ce que je vais arriver au bout du viaduc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me rentrer dedans parce qu'on doit, on doit rouler plus vite, est-ce que je vais pouvoir... Non. J'ai choisi en conscience de respirer et de choisir mes pensées qui vont créer un avenir meilleur. Et comme vous l'avez entendu, c'est exactement ce qui s'est passé. Eh bien, je vous propose également de rejoindre un groupe qui va nous permettre de vivre toutes ces pensées, toutes ces merveilles qui nous arrivent dans la vie, avec cet objectif de « j'accueille le meilleur de la vie pour moi ». J'accueille le meilleur de la vie pour mon entourage et pour le monde entier. Ici en dessous également, vous trouverez les références pour rejoindre ce groupe, pour s'encourager, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir des pensées comme ça. Ça demande un entraînement, ça demande une reprogrammation, ça demande de la joie en soi, qui est toujours là, cette joie. Et il est nécessaire de l'activer, de l'activer, de l'activer, de l'activer. Oui, merci. Alors, si vous avez envie de ça, si vous avez envie de vivre comme cela, eh bien, rejoignez ce groupe et entraînons-nous, amusons-nous, faisons les fous. La vie est quelque... Et je ne sais plus les phrases, mais enfin bon, la vie est quelque chose de merveilleux. Voilà comment je nous invite à vivre tous ensemble dans ce groupe. Soyons heureux, soyons joyeux, regardons la vie comme une fête. Un tout grand merci à vous, bon amusement avec ce jeu que je vous propose juste ici en dessous. Faites-le, 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 faites-le. Et puis, recommandez à votre entourage. Eh bien voilà ce que moi je fais. Je vous propose de rejoindre un groupe pour vivre heureux. À chaque instant, merci à vous, à très très bientôt.